Alors Flore, merci à toi et à France Télévisions. Alors parle-nous de ton émission, vous nous invitez à donner la main d'emploi chez vous. Alors qui êtes-vous et quand c'est diffusé surtout? Alors je suis journaliste pour l'émission Ensemble c'est mieux, qui est la matinale de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Cette émission est prévue ce jeudi. Alors jeudi, Vince, rappelez-moi la date. On sera le 10 décembre. Donc jeudi 10 décembre à 10h45 sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Très bien. Alors ton émotion d'avoir partagé cette rencontre avec les sans-abri, ces gens de la rue qui sont finalement bien sympathiques? Oui, complètement. Alors ça, j'en ai jamais douté, mais c'est très agréable toujours de vous suivre, de suivre le genre d'association comme la vôtre, faire de si jolis gestes. On a notamment pu vivre un moment assez impressionnant tout à l'heure avec les policiers devant la flaque là dans la rue, qui essayaient de dégager au final. On a évité une expulsion. Voilà, c'est ça, on a évité une expulsion. Les policiers étaient devant, je suis allée les voir, enfin ils ont vu qu'on est intervenu avec la caméra, et je pense qu'il y a eu ça aide un une petit prise peu. De conscience. Ils nous ont vu faire et puis ils sont partis et ont laissé les jeunes qui étaient installés là-bas tranquilles. Alors, comme je te disais, je ne suis pas contre une expulsion sans abri, à condition de les prendre pour les porter dans un endroit avec un toit, avec de la chaleur humaine. Ce style d'expulsion, moi je dis bravo, on prend les sans-abri, on les tire de la rue et on les met au chaud. Là, ce n'était pas la situation. Non, je crois pas non plus. Voilà, donc et au puis, moins là, ils n'ont pas eu à se mettre sous la pluie, parce qu'on n'a quand même pas une météo de folie aujourd'hui. Voilà. Et puis, Fleur, je voulais remercier notre Père Noël, parce qu'il est en train de distribuer des cadeaux qui sont faits par des enfants. Exactement. Alors ça, c'était un joli moment aussi. Tout à l'heure, on en a distribué donc, au même groupe des élèves là-bas. Il y avait un joli petit mot, vraiment, qui faisait chaud au cœur dans ce cadeau. C'était très, très chouette. C'était un beau moment à vivre. C'était joli à voir. Et bravo à vous de faire ce joli geste, ce joli cadeau aux personnes qui en ont tant besoin. Alors, Papa Noël, tu peux remercier ces enfants, ces adultes qui nous ont offert ces cadeaux. Alors je remercie les familles qui ont fait les cadeaux cette année, qui ont répondu présent malgré la crise, malgré tous les problèmes qu'ils ont rencontrés. Donc merci à eux, merci à vous surtout. Nous on va regarder qu'est-ce qu'il y a. Le Père Noël s'est fait rare en ce moment. Vous voulez bien qu'on prenne une photo avec lui? Oui, bien sûr, bien sûr. Allez, le Père Noël commence à tourner. Voilà, regardez. On a des jolis cadeaux. Ça c'est un beau cadeau. Très bien. Voilà, et donc ça va être distribué tout au long du mois de décembre, tous les mercredis soirs à partir de 19h, place Antonin Poncet. Merci à vous tous. Et dans quelques instants, ces cadeaux vont passer de main en main et avec cette belle énergie. Merci à vous. Merci à vous. Vous venez, bravo à vous. Voilà. Et on a besoin, je termine là-dessus, on a besoin des médias pour relayer nos appels au secours, parce qu'on l'a vu, on peut faire bouger les lignes, mais sans vous les médias, c'est beaucoup plus compliqué, donc merci. Avec plaisir et merci à vous d'être sur le terrain. Merci.